Les amis, Salut à tous. j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une vidéo explicative de pourquoi j'ai changé le nom de ma chaîne. Ce qu'il faut savoir du coup premièrement, c'est que ça a été créé fin 2015. On avait juste envie, voilà, enfin c'était YouTube quoi. On avait envie d'avoir une chaîne YouTube, de pourquoi pas vous proposer des vidéos. On est parti sur le but de vous mettre une séquence courte. On vous passe vraiment le moment qui a de l'intérêt. Dans notre jeu, enfin, en fait, il n'y avait aucun but précis, je pense, assez précis pour que vraiment bah, la page continue. Du coup, il y a eu une absence pendant énormément de temps. Clairement, je me suis retrouvé du coup tout seul sur la chaîne, hein, voilà, et je la désertais. Limite, je m'en vantais pas parce que, en fait, bah, le nom, ça va, en Minute Gaming, il y a pire, je pense, comme nom. Bah, le logo, il me plaisait pas, il n'y avait pas vraiment de choses à présenter dessus, hein, on va pas se mentir. Et du coup, bah voilà, il y a bien 27, 28 jours, on va dire un mois, bah, on a repris du coup la chaîne avec d'autres personnes. On est quatre du coup maintenant. Faut voir que bah du coup, on vous propose des lives sur du free to play, sur d'autres jeux. Enfin, pour le moment, il y en a deux. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça, je trouve. C'est pas mal. Donc, sachant que le premier, c'est Fortnite. Hein, en termes de free to play, il n'y a pas mieux. C'est vraiment le jeu le plus populaire. On aura toujours un truc à vous montrer, à vous présenter dessus. Enfin, voilà, y aura toujours un truc à faire. C'est l'avantage du jeu. On a aussi du coup Dragon Ball. Donc, voilà, ça reste en termes de jeu et de manga, quelque chose de célèbre, d'épique. Donc voilà. Et du coup, bah, maintenant, ça s'appelle la chaîne Zer du 9-5. Ce qu'il faut voir, c'est que bah, déjà, la chaîne Zer, ça me plaît comme nom. Et ça reprend un peu le principe de mes crews. Parce que voir sur GTA, on a un crew qui s'appelle la Street Zer du 9-5. Voilà, c'est. On reste dans une thématique précise. Et faut voir aussi que bah, le logo me plaît. Quasiment. J'ai toujours voulu changer de. Le nom, le logo, tout ça, mais j'avais pas forcément d'idée. Plus on y réfléchit, plus on finit par trouver quelque chose. On est bloqué aussi, hein, je vous le cache pas, mais dans mon cas là, pour le coup, non. Du coup, bah, on a changé le nom. Il était au final pas si mal que ça. Il y a aussi une inspiration au final qui m'est venue, c'est que bah, la chaîne du geek, tout simplement. Voilà. Mathéo, son Instagram, c'est l'insta du geek qui reste sur la même thématique. Et là, le grenier du geek, et ainsi de suite. Il y a quelque chose de fort en fait là-dedans, de puissant. Et du coup, bah, on a gardé ce principe-là. Et voilà, pour moi, c'est que du plus. Faut voir que ça, du coup, comme je disais, ça fait un mois qu'on a repris la chaîne. Un mois après, bah, on change un peu du coup le visage de cette chaîne qui n'avait plus aucun intérêt à la base. Voilà, maintenant, on vous propose des lives, peut-être un peu des gameplays, des tutos, je sais pas, on verra. Mais surtout, le principe du live, on change le nom, on change tout, on change l'équipe. Donc c'est que du plus. On a quand même 15 abonnés en plus en un mois, c'est vraiment pas mal. Faut voir que pareil, le nombre de temps de visionnage, il a monté, mais c'est dingue quand je vois les statistiques sur YouTube Studio. C'est-à-dire qu'on est passé de même pas une minute de visionnage, c'était vraiment ridicule, à plus de 1700 minutes de visionnage. Donc c'est dingue. Vraiment, merci à vous de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir à tout le monde et j'espère vraiment que ça va monter de plus en plus en termes d'audience, de tout en fait. Mais voilà, faut voir aussi que vraiment moi je fais ça pour le plaisir. Mon Instagram il est là pour le plaisir. Twitter, bon, voilà, je suis pas trop dessus donc voilà. YouTube c'est pareil, je suis pas excessivement dessus mais c'est vraiment pour le plaisir. Donc voilà, ça nous fait nous aussi du coup plaisir de voir que on plaît à des personnes. Donc voilà, vraiment merci à vous. N'hésitez pas du coup à continuer de liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche de notification, c'est vraiment important. Et voilà, on se retrouve du coup ce soir pour le live sur Dragon Ball. Salut à tous.